Lachikovski devant lui, il va choisir de renverser le jeu vers Lewandowski, même sur le côté avec Krosicki. Mauvaise intervention de la part de Cédric avec Krosicki qui va rentrer à la seconde. Attention, la passe en hauteur. Et Lewandowski, et Lewandowski qui dès la deuxième minute de jeu dans le quart de finale fait péter son compteur. Il n'avait pas mis le moindre but depuis le début de l'Euro. Il était le meilleur buteur des éliminatoires. Et bien ce soir, il frappe d'entrée avec l'erreur de Cédric, le centre parfait de Grosicki. Lewandowski permet à la Pologne de mener 1-0 au bout de seulement 2 minutes de jeu. Et quel début de match! On ne l'avait pas annoncé, dis donc. Le match, Savinant l'avait dit. Renato Sanchez avec la talonnade de Nani. Égalisation! 33e minute, Renato Sanchez. Ah, il est beau celui-là, il est du gauche. Hein. Et voilà, c'est relancé un partout. Alors effectivement, Renato Sanchez, première titularisation, tu le disais Nico. Premier but. Et voilà qui marque. Et qui du coup doit devenir le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, puisque c'est le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro. Ouais, situation Quaresma. Idéale pour Quaresma. Oui, exactement. Quaresma, lui, héros, cinquième et peut-être dernier tireur de cette séance de tir au but. Il vient d'embrasser le ballon. Quaresma à l'occasion, après avoir marqué le but de la qualification 8e de finale face à la Croatie, à l'occasion d'envoyer le Portugal. Mon Dieu, qu'il a pris beaucoup d'élan. Quaresma est passé au-delà de la ligne, la surface de réparation. Quaresma face à Fabianski, un petit temps d'arrêt. Le Portugal est en demi-finale de l'Euro 2016 au tir au but, 5-3 avec celui ici marqué par Quaresma après que Błaszczykowski ait vu le sien repoussé par Rui Patricio. Le Portugal de Cristiano Ronaldo est encore en vie.